Bienvenue avec nous sur Channel Lan pour une autre vidéo. Nous allons partager avec vous l'actualité sportive. Si vous à peine rejoint nous, meilleure façon ou capable de supporter le travail ça que vous regardez, abonnez, activez cloche notification, un like, un commentaire très important. Nous allons aller avec l'actualité, c'est avec le Real Madrid après que le club capital espagnol vient remporter la Super Coupe d'Europe. Et bien, Real Madrid qui a justement fait grande première ligue dans la Liga pour la saison 2024-2025. Malheureusement, avec un match nul, un goal partout face à l'équipe Mallorca. Un score qui paraît décevant pour Madrilenio qui déjà agacé la presse madrilène, Carlo Ancelotti. T'es même obligé de parler avec Joelio, reproché de un manque de collectivité, notamment surtout dans le repli défensif. Eh bien, ça vient de passer, nous allons attendre le travail, eh bien, Vinicius, Kylian Mbappé et Rodrigo. Après match nul, eh bien, staff madrilène a accordé 2 jours de repos avec Joelio avant que préparer le deuxième match et championnat contre le Real Valladolid. Qui déjà a un match qui va être très important pour Merengue. Kylian Mbappé, Vinicius Junior et Rodrigo Goes, et bien là, monsieur, même, ils ont profité du repos et ils ont passé les dernières 48 heures de temps sur un yacht de luxe à Marbella, d'après Media El Demasque. Eh bien, ils ont un yacht de 50 mètres de long et nous avons dit, nèg yo même yo tap enjoy yo et bien là justement avec une piscine et jacuzzi éparpillé et bien sous tout bateau à disposition de 3 attaquants merengue yo et bien prix yacht ça c'est 15 000 € par jour mais si vous payez 15 000 € par jour pour capable jouer 2 jours de repos que dirigeant et Real yo staff technique là accordé yo après match nul. Dans l'autre actualité sportive, le FC Barcelone, justement, nous connaît qui est vraiment intéressé pour gagner service de Nico Williams. Et bien, Athletic Bilbao menace le FC Barcelone pour aller en justice avec eux pour Nico Williams. Nous connaissons un dossier qui est vraiment animé, mais qu'à toi, notre dernière semaine. Et bien, on est capable de dire Nico Williams qui fait une très belle saison 2023-2024, M. Marqué 8 goals, 19 passes décisives pour 37 matchs. 22 ans, le football anglais qui fait une belle Coupe d'Europe avec l'Espagne. Cependant, Athletic Bilbao, pas voulu vendre le football là, ou voulu conserver, ça a été arrivé fait. Il a convaincu le joueur pour l'hériter pour une saison supplémentaire et à Bali, numéro 10, là, le numéro qu'il a déjà gagné. Qui est disponible après le départ de Iker Muniain. Bilbao, et bien là, qui pourra poursuivre la saison 2024-2025 avec Pépite Espagnol. D'après El Correo, équipe qui a coaché par Ernesto Valverde, souhaitait d'ailleurs regarder salaire Nico Williams et aussi avec une prolongation de contrat qui, justement, a pris fin là pour le moment en 2027. Eh bien, occasion. Fait que vous voulez prolonger le contrat de Nico Williams, vous voulez augmenter la clause libératoire du football qui est fixée pour le moment à 58 millions d'euros. Vous faites qu'on ait une discussion et t'as dû débuter avant fin mai 14, une fois que calme pour retourner autour de Nico Williams. D'ailleurs, Bilbao lui fait le nécessaire pour empêcher le FC Barcelone aller jusqu'au bout dans le dossier. Ça. Président Club Blanc, qui c'est John Oyate, t'as même rencontré le président Liga, qui c'est Aviel Tebas, pour évoquer un possible transfert. Et bien, pendant, si t'as parlé ça que t'es gagné, entre président Club Blanc et président Liga, Oyate, lui expliquer avec Aviel Tebas, qui c'est dirigeant première division espagnole, que si Barcelone t'a réglé clause libératoire à Nico Williams, il a voulu intenter une action en justice contre Blaugrana. En effet, Bilbao l'a examiné contre FC Barcelone et considéré qu'il est impossible pour que le Blaugrana paye clause et libératoire de Nico Williams pendant qu'il doit respecter règles plafond salarial qui est imposé par Liga et surtout dans la législation de la Liga. Il est possible
pour annuler l'opération. Attendez bien, oui. Dans la législation la Liga, après que yo fin contrôler compte FC Barcelone, qui doit respecter les règles de plafond salarial imposées en Liga, eh bien, il est possible pour annuler une opération qui pas respecté règles championnat. Une position très forte de Bilbao, qui lui-même mentait déjà pour voir comment que pour lui briser manœuvre club catalan à l'égard de Nico Williams. Dans le moment où on parle de Real Madrid, et bien la presse espagnole qui beaucoup bail vague, surtout après match nul, Real Madrid face à l'équipe Mallorca, un goal partout, et bien, il a reproché Carlo Ancelotti. Côté que, monsieur lui-même, il a des bagages qu'il a fait à temps. Julian Maca, il retourne sur changement Carlo Ancelotti. Il a fait une les changements de la discorde. Il reproche Carlo Ancelotti parce que il était fait changement trop tardif, surtout avec un premier remplacement offensif, pendant que Real Madrid n'est pas capable de faire la différence. Real Madrid était obligé d'attendre 81 minutes Carlo Ancelotti pour le faire entrer à la couleur Ibrahim Diaz. Auparavant, que succès Real Madrid yo, et surtout dans la Super Coupe d'Europe, Ancelotti était fait changement dans toute fin de match. Brahim Diaz à la 83e, Adagoule à la 88e minute de jeu. Et bien, pour te justifier choix lié, Carlo Ancelotti, en conférence de presse, il a déclaré « Chacun a son opinion sur mes changements. Ce sont de petits détails. Peut-être qu'ils ont été tardifs, peut-être pas aussi. » C'est comme ça qu'Alo lui-même li te réagi. Mais Julian Maca li rappelé que Carlo Ancelotti li pas doué répéter même scénario ça trop souvent parce que saison dernière remplaçant Real Madrid yo te souvent fait la différence selon données qui publié par quotidien espagnol là. Et bien joueur qui t'a sorti souvent yo te inscrit 37 goals parmi yo 17 goals te signé par et doublé qui c'est Rossello. Et M. Limane connaît qui quitte le club blanc qui allait dans le Moyen-Orient. Brahim Diaz, lui-même, c'était un remplaçant décisif avec 10 goals et 6 passes décisives. Notre transfert aussi désormais officiel pour Conor Gallagher, c'est un joueur Atlético de Madrid, milieu de terrain anglais qui était Chelsea. Finalement, qui c'est le club formateur, il a engagé la CAE Colchonero Tio contre 42 millions d'euros. Il s'agit du 4e recrue équipe Atlético après Alexander Solot, Robin Lenormand et Julian Alvarez. Vini, international anglais de 24 ans, la K-équipe Atlético, est bien limité en question après échec transfert de Samu Omorodion à Chelsea. Finalement, Atlético de Madrid trouvé un terrain d'entente pendant que Conor Gallagher lui prend direction de l'équipe Atlético de Madrid. Là, et bien pensionnaire de Stamford Bridge pour récupérer João Félix d'abord. Et depuis le mardi, qui était 20 août 2024, João Félix lui a annoncé qu'il passait visite médicale avec un succès. Désormais, Portugal lui-même va l'engager avec l'équipe Chelsea jusqu'en 2030. Montant transfert, c'est 70 millions d'euros selon la presse espagnole. Déjà, il y a un pile parlé sous l'arrivée de Félix dans l'équipe Chelsea. Nous connaissons un joueur. Vraiment, dans le jeu, ça a eu lui-même qui va vraiment bailler résultat sous terrain. FC Barcelone, li ciblé Frederico Chiesa. Barcelone qui a activé un pile là pour secteur offensif là. Et nous connaissons Barcelone qui était intéressé avec Nico Williams qui va capable de prendre. Et Kingsley Coman qui était capable de faire facile pour lui qui va Munich voulait séparer avec lui. Mais Frederico Chiesa, sinon ça qui paraît dans la presse et catalane. Prix, opération ça a été à définir. Mais l'Italie de 15 millions d'euros sur le journal Sport Barcelone a préparé une offre pour le faire avec l'équipe Juventus. Là. Il s'agit de 10 millions d'euros et un salaire de 6 millions d'euros, bonus sans compris. Chiesa, il voulait venir à Barcelone, mais il est conscient des complications économiques de Barcelone et a étudié également pour position de Premier League. Là. Juventus craint que Chiesa eh bien, pas engagé avec le dernier champion d'Italie qui s'est Inter de Milan. Qui est capable de faire un offre très bas à la fin du marché transfert. Là. Côté que M. lui-même sur route là pour quitter l'équipe Juventus d'ailleurs, Thiago Motta,
qui est entraîneur Juventus, dit que lui pas besoin jouer football. Nous allons parler dans la vidéo ça de Erling Haaland, monsieur lui-même qui a démarré saison en boulette de canon et monsieur déjà voyons gros avertissement avec rival Manchester City et expliquer que lui déjà en meilleure forme carrière lui et que lui prêt pour lui marquer plus goal toujours. Eh bien, à travers ça qui paraît dans ce journal Daily Mirror, eh bien, nous capable de dire, joueur Manchester City, hein, monsieur maintenant, il a déjà marqué 91 goals pour 100 apparitions depuis arrivé dans Etihad Stadium en 2022. Joueur de 24 ans, monsieur lui-même, qui a justement gagné des problèmes de blessures saison dernière et qui était encore marqué 27 goals dans la première ligue, mais désormais star norvégien, non, dit que il paraît plus en forme que jamais. Et qu'il a joué sans douleur. La déclaration, Haaland, je dis, c'était une très bonne pré-saison pour moi. Je dis, moi, pas, j'aime sentir bien comme ça, j'aime sentir dans la, bah, aucune douleur, non, comme moi. Je dis, c'est pour la première fois depuis longtemps que moi, senti moins comme ça. C'est comme ça, Erling Haaland, lui-même, l'idée réagit exactement.